pourquoi est-ce qu'on fait l'Europe, de quelle manière on va la faire, quelle va être l'image de cette Europe, son rôle, sa voix, à la fois dans les affaires mondiales et puis pour les citoyens de tous nos pays. Qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement? Or, tout ceci n'est pas réglé, je dirais, automatiquement par la négociation elle-même. C'est quand on fait un traité, il faut être modeste. Enfin, si j'ose ainsi m'exprimer, c'est une casserole. Ça vaut surtout parce qu'on met dedans par la suite. Et s'il n'y a pas des résultats tout à fait concrets de cette idée européenne, si elle ne se traduit pas en action sensible pour chacun de nous, pour véritablement l'homme de la rue, il n'y aura pas la pression suffisante des opinions publiques. Et je vous dis très franchement, ce n'est pas les techniciens qui, eux, considéreront que le niveau européen, le plan européen, est indispensable. Nous, je le dis encore une fois, nous pouvons simplement fournir l'occasion. Ça dépendra de nos gouvernements, s'ils tracent un certain nombre de perspectives, et de nos opinions publiques, s'ils apportent en fait une réalisation.